Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettre qu'on rend publique. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons, allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. C'est pour cela que dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et la Commission pour travailler sur ce sujet. Et ensuite, nous verrons avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux. Ce qui s'est passé ces derniers jours est trop grave sur le plan humain pour céder aux facilités. Si cette question était simple, elle aurait alors été réglée autrement. Elle ne l'est pas. Et la France est aujourd'hui, pour ces femmes et ces hommes qui quittent la misère ou la détresse dans leur pays et cherchent à rejoindre le territoire britannique, ce qu'on appelle un lieu de transit. Ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent à tout prix traverser. Et donc la véritable réponse est dans une coopération sérieuse pour prévenir ces mouvements, pour démanteler ces réseaux de trafiquants et éviter que ces femmes et ces hommes n'arrivent sur notre sol, car c'est déjà trop tard quand ils sont là.